Polémique autour de Rassamène, la France tente l'apaisement. Entre l'Algérie et la France, nous assistons aux prémices d'une nouvelle crise diplomatique. En effet, dans ces relations soumises aux fluctuations cycliques, plusieurs éléments indiquent que la période actuelle est plutôt favorable à la crispation. La récente polémique sur l'hymne national algérien est très révélatrice. Les deux diplomaties se confrontent par médias interposés. La secrétaire d'État au développement, à la francophonie et aux partenariats internationaux, Kraïsoula Zakharopoulou, a expliqué que le couplet en question a toujours fait partie de l'hymne national algérien et n'a donc pas été ajouté. Expliquant que le décret présidentiel formalise simplement la pratique selon laquelle l'hymne algérien est désormais chanté dans son intégralité. Cette responsable a également réaffirmé la détermination du gouvernement français de renforcer les relations avec l'Algérie. Notre ambition avec l'Algérie et les Algériens est de regarder notre histoire en face. Cette histoire, il ne s'agit pas de l'escamoter ni de nous enfermer. Nous devons nous projeter vers l'avenir, a affirmé Kraïsoula Zakharopoulou en tentant l'apaisement. C'est un choix exigeant. Il est dans l'intérêt de la France de le suivre comme celui de l'Algérie, a conclu cette responsable.